seconde partie de cette émission au-delà du miroir concernant le monde merveilleux des anges ou d'Eva, mythes, superstitions et réalité avec Michel Coquet. Ce livre est publié aux éditions Trajectoire. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les monades quand même? Parce que la monade, c'est quoi? Alors la monade, c'est difficile à définir parce que en fait, la monade, la monade est un nirvani des systèmes solaires passés qui a évolué au point où cet ancien nirvani a atteint le point ultime d'intégration dans l'unité et qui trouve dans notre actuel système solaire la nécessité de parfaire son expérience et qui s'incarne en fait dès le début dans notre monde pour permettre à un être humain d'intégrer lui aussi cette dimension nirvanique. Donc il devient en quelque sorte notre point de divinité, notre point d'absolu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc chacun d'entre nous a une monade, c'est pas pour autant que les monades sont différentes. Toute la difficulté est là. Une monade, c'est l'étincelle divine. On dit qu'une monade est colorée des trois premiers rayons, c'est tout. Donc il y a des monades de premier, de deuxième et troisième rayon. Mais ça, c'est l'occultisme à l'état pur. Les mystiques, bouddhistes et autres, vous parleront jamais d'une monade. Pour eux, il n'y a pas de soi individualisé. Mais une monade n'est pas quelque chose d'individualisé. C'est un absolu dans une individualité. Donc c'est extrêmement complexe à définir. Est-ce que vous pouvez nous parler du mythe des anges déchus? Parce que tout le monde connaît cette histoire des anges déchus dont Lucifer fait partie. En un mot, il n'y a pas d'ange déchu. On ne peut pas décevoir quand on est arrivé à ce niveau de pureté, ce qu'on appelle les bénis et Elohim. On ne peut pas déchoir de cet état-là. C'est un état extraordinaire. Par contre, quand, pas Dieu, hein, parce que Dieu n'a rien à dire, mais quand la loi a imposé à ces grands êtres de descendre sur terre, ces grands êtres n'ont pas trouvé de matrice suffisamment pure pour pouvoir rentrer dedans et faire progresser l'humanité. Donc ils ont dû attendre. Et en attendant, l'évolution de l'humanité s'est faite sans ces grands êtres, c'est-à-dire un peu d'une manière anarchique. Et dans la plupart des mythes, on parle des rapports sexuels, des rapports entre les hommes et les animaux, avec une prolifération, une progéniture monstrueuse, etc. D'où le fait que Dieu, à un moment donné, il dit « Non, j'en veux plus ça ». Il détruit sa création, il en refait une autre. Et ce moment-là a été mal traduit. C'est pas de la faute de ces anges qui ont attendu, de ces grands archanges qui ont attendu là-haut, c'est simplement qu'ils ne pouvaient pas descendre. Et quand ils sont descendus, plus tard, à un moment donné où l'humanité était prête pour ça, ce sont les trônes, ce sont les kumaras de la tradition hindoue. Là, ils ont pu descendre, et ce sont ces fameux mariages entre les filles, entre les dieux et les filles des hommes, et qui a donné naissance à une progéniture de géants. Oui, c'est ça. Ce sont les premiers êtres de la Lémurie, etc. Donc, il n'y a pas de chute des anges. Le fameux Lucifer, au contraire, le porteur de flambeaux. Il y a même un pape qui s'est fait appeler Lucifer, ce qui veut dire que ce n'était pas considéré dans le christianisme antique comme quelque chose de mauvais. Simplement, c'est ce grand être qu'on appelle en Inde Sanat Kumara. Les Dravidiens lui donnent le nom de Muruga, l'adolescent à 16 printemps, le vierge adolescent. C'est un des plus grands êtres qui est actuellement le chef de ce fameux de la maison du Père, cette fameuse Shambhala. La Shambhala des bouddhistes et des hindous constitue quelque part en Orient, on ne sait pas trop, dans le Gobi, et qui porte le nom de Melchisedec. Oui, Melchisedec, mais l'endroit Agartha. Shambhala. Voilà. Ouais. Ah, ouais, donc, à partir du peu d'enseignement qu'on a. Alors, l'Agartha, ce sont des spéculations.
Je ne connais pas aucun enseignement ésotérique réel qui parle de l'agartha. Bien sûr, il y a un monde souterrain, c'est vrai, où il y a des vies, etc. Mais agartha, non, c'est quelque chose qui vient de... qui est assez récent. C'est Saint-Yves d'Alvèdre qui a mis ça un petit peu à l'honneur, qui a été repris par René Guénon et qui a compilé sur lui. Normalement, je n'ai pas trouvé de racines à ce monde d'agartha. C'est pourquoi le livre d'Enoch nous dit allégoriquement « Ceux-ci sont les anges qui descendirent sur la terre et qui révélèrent aux enfants des hommes ce qui est secret et qui apprirent aux enfants des hommes à commettre le péché. » Oui, alors ça veut dire tout simplement que lorsque les grands instructeurs, ces fameux géants, mais il y a les bons et les mauvais, mais les bons, ces fameux géants qui sont plus ou moins adombrés par des grands êtres, ont eu le rôle d'instructeurs pendant des siècles. Et c'est vrai que du fait qu'on instruit les gens, qu'on instruit une partie de l'humanité, qu'on développe leur mental, parce que tout était le... Cette descente avait comme but, ce sont des agnijvata, c'est-à-dire des pitiés solaires, et pas lunaires. Mmh. Et en descendant, c'est vrai qu'il y a une stimulation au sein de l'humanité, au niveau de cette étincelle manasique, cette étincelle mentale. Ce qui fait que, d'un seul coup... C'est peut-être même un peu trop étincelant. Voilà, il y a la possibilité, et ce qui est nécessaire, de comprendre... le bien, de comprendre le mal, de choisir le mal ou de choisir le bien. Le début du libre arbitre, et c'est important, ce libre arbitre est fondamental. Il va falloir que l'homme, de lui-même, choisisse le bien. Il va bien falloir qu'il y aille. Mais personne ne va le pousser. Personne. Il sera puni de ses propres actes, c'est le karma. Il sera récompensé des bons actes, c'est le bon karma. Mais lui seul doit développer cette conscience. Sans ça, il n'a pas de conscience. C'est un petit robot. Donc, on ne peut pas développer sa conscience sans un monde dualiste. Et là, un choix est important à faire. Est-ce que vous pensez, enfin, dans vos enseignements, qu'on peut se réincarner en animal? On a le minéral, le végétal, l'animal, le règne humain, après les anges. Donc, se réincarner en animal, ça serait faire marche arrière. Oui, alors, là, on tombe dans ces fameuses traditions, ces écoles de mystère anciennes, très ancienne, où on ne révélait jamais les vérités. Où on donnait des morceaux de vérité, mais on disait jamais la chose entièrement. Et par contre, à cause de ça, je pense que l'enseignement de la réincarnation, qui était quelque chose qui n'était pas enseigné ouvertement, a été altéré. On en a fait la métapsychose, c'est-à-dire cette possibilité, si on de fait des erreurs. Alors, je pense que les instructeurs, c'est un peu comme aujourd'hui la carotte et le bâton. C'était pour leur faire peur. Je pense, quelqu'un qui est vraiment un gourmand pas possible, il va se transformer en cochon. Celui qui est criminel, etc. Chacun, par ses défauts, on lui donnait un petit peu l'image symbole de ce qu'il allait représenter. Non pas qu'il allait se réincarner en cochon, mais il en avait tous les attributs, ce qui fait que il en avait aussi les conséquences. Donc, non, dans la tradition, on ne revient pas en arrière. Il y a réincarnation, toujours vers le haut, mais il n'y a jamais retour en arrière. Vous avez quand vous parlez du règne animal un peu plus loin, vous dites que les animaux, il faut les considérer comme des êtres à part entière, puisque plus tard, ils deviendront des hommes, et que nous, si on a évolué, on sera passé à l'étage supérieur. Ça m'a fait penser à ces animaux qu'on a pu avoir quand on était enfant. Est-ce qu'ils ne pourraient pas se réincarner en même temps que nous, qu'on ait une grande attirance? Est-ce qu'on pourrait retrouver des animaux qu'on a connus étant enfant? Alors, la conscience d'un animal, aussi intelligent soit-il, bien qu'il y ait vraiment, dans le règne animal, il y a vraiment des animaux qui sont proches de l'individualisation humaine. Le dauphin, l'éléphant, le chat, le chien, etc. Il y a vraiment... des êtres qui sont tout proches, les singes, les grands singes, etc. Mais actuellement, c'est pas moi qui parle, c'est les instructeurs, la porte est fermée. La porte est ouverte, c'est-à-dire que l'animal peut passer dans le règne humain, c'est possible, selon certaines conditions particulières. Actuellement, la porte est fermée. Et pourquoi? Qui a fermé cette porte?
Ah, il y a des lois, il y a des grandes lois universelles, il y a des êtres qui probablement, on ne dit pas qui a fermé. Mais pourquoi ? Le Tibétain dit que la porte est fermée. S'il explique vaguement pourquoi, mais c'est assez complexe. Mais néanmoins, il y a un moment donné où on laisse passer. Quelques-uns. Normalement, c'est pour bientôt. L'ensemble, quand la porte est ouverte, c'est un cycle. Par exemple, une certaine planète est là, une certaine conjonction. À partir de ce moment-là, voilà, les monades animales peuvent pénétrer dans l'humanité et s'incarner. Quelquefois, il faut que cette humanité ait subi, par exemple, une grande destruction, qui reste que quelques très, humains. Très peu d'humains. À ce moment-là, on autorise, etc. Le logos solaire, le logos planétaire, ce sont tous ces êtres qui manipulent. De même que nous, on manipule notre environnement, les grands êtres ouvrent la porte à des moments précis où c'est utile. Actuellement, la porte est fermée. Donc, on dit la que porte les est fermée. Est-ce que la porte est fermée pour nous aussi? Est-ce que nous aussi, on n'a pas le droit de s'élever? Aucun problème pour l'humanité. De ce côté, c'est ouvert. C'est même tellement grand ouvert qu'on voudrait bien que... C'est voilà. Dommage pour les animaux, quand même. Oui, oui mais vu sur le plan un peu sentimental pour nous, oui. Mais sur un certain plan, non. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait actuellement entre l'être humain et l'animal, qui est très intense aujourd'hui. Regardez, notamment en France, en Angleterre, au Japon maintenant... tout le monde a son animal familier. Oui, mais de l'autre côté, on a aussi les usines à vaches. Ah bah, ça, voilà, on les a depuis longtemps. On les aura encore pendant quelques temps, malheureusement. On ne peut pas échapper à ça. Mais pour l'instant, il y a vraiment un travail qui doit être fait. Et je dirais qu'il y a même voilà, des maîtres qui s'incarnent dans le seul but d'aider le règne animal. Alors, bon, on a tous un travail à faire, une Brigitte Bardot ou je ne sais qui. On a tous un travail à faire, au minimum, nous, de, par exemple, d'être végétarien. Moi, je suis plus végétarien par respect et sympathie pour le règne animal que pour ma santé proprement dite. Donc, à chacun, on peut tous faire quelque chose pour aider le règne animal, pas forcément d'apprivoiser un animal, hein, mais on peut faire beaucoup de choses chacun dans sa sphère de travail. Mais on ne peut pas actuellement rencontrer une personne en pensant que c'est un animal. D'accord. Qu'on a... Voilà, ça, c'est pas possible. Cela dit, une relation très forte entre un être humain et un animal, c'est rare, mais ça arrive. Et la connexion peut rester très, 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 très longtemps. Ce qui fait que quand la porte est ouverte, effectivement, cet animal peut devenir le disciple de son ancien maître, en quelque sorte. Donc, c'est possible. Quant à l'être humain, il a la mission de transmuter cette dévotion en pur amour, dégagée de toute tendance affective, sentimentale et égocentrique. C'est pour lui la clé de la transmutation et le moyen de devenir encore plus radioactif, comme cela se manifeste pendant la transfiguration, puis pendant la crucifixion. C'est finalement au contact de l'ange solaire, l'âme, que l'homme devient radioactif et qu'il lui est donné l'opportunité d'abandonner définitivement sa forme terrestre en s'élevant dans le règne suivant, le dernier et cinquième, celui de la hiérarchie humaine devenue divine. Alors, l'homme radioactif, parce qu'on est en pleine radioactivité quand même, je veux dire, l'homme radioactif, c'est le but final. Oui, c'est le terme fait peur aujourd'hui. Oui, puisqu'on a peur de... Oui, absolument. On est en plein dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, on est vraiment dans un monde influencé par la radioactivité. Et c'est l'humanité tout entière qui est dans une phase de transmutation. Transformation, transmutation, ça va pareil au même. Mais la radioactivité, c'est l'aboutissement d'un règne, toujours. Quand un règne arrive à son aboutissement, il est radioactif, toujours. Alors, elle s'exprime d'une manière différente. Dans le minéral, on connaît, c'est le radium. Dans le règne animal, végétal plutôt, cette radiation s'exprime par les essences les plus fortes. Lorsque on va pas dire l'être, mais la conscience
on va dire la conscience du végétal arrive à son point maximum, elle s'incarne dans une plante très forte au niveau des essences. Et ce qui lui permet de se dégager de cette forme contraignante, de se libérer de cette forme par l'essence. Et c'est pour ça que les arbres, ils sont beaucoup plus hauts. Oui, alors, c'est pas tout à fait la radioactivité. Par contre, au niveau de l'essence, par exemple, un cèdre. Oui. Un cèdre, c'est quelque chose de très puissant au niveau de l'essence. Et il y a des arbres qui ne le sont pas, aussi grands soient-ils, mais lorsque l'entité, le déva de l'arbre, tout ce que vous voulez, se réincarne, et lorsqu'il atteint un épanouissement supérieur, il va s'incarner dans un cèdre et il va pouvoir, par cette essence, se libérer. Donc on a exactement aussi la même chose dans le règne animal. L'animal le plus évolué, c'est l'animal, l'animal domestique. L'animal qui devient intelligent, son rapport au maître, etc. Il est capable même de travailler, de sauver, de faire beaucoup de choses avec lui. Là, il commence à devenir radioactif. C'est-à-dire, il est proche du sentiment d'amour. Il n'a pas de sentiment d'amour. Il a un sentiment qui se rapproche. Mais c'est un sentiment de dévotion. Oui, l'amour, non, pas encore. Mais de dévotion intense, oui. Et c'est quelque chose de très beau à voir, d'ailleurs. Oui, la dévotion d'un chien pour son maître, c'est quelque chose de sublime. Et ensuite, l'être humain, oui, c'est le principe d'amour. Ou la curiosité du chat quand il vous regarde. Voilà. Parce que vraiment... Alors, ça me fait arriver à une question. Est-ce que vous pensez que tous ces cancers qui sont là... Ce ne serait pas une façon pour les personnes qui développent des cancers d'aller vers cette radioactivité, puisque c'est le traitement qui est mis en place pour combattre cette maladie, qui est la maladie du siècle, on peut le dire. C'est une question... Alors, ce qui est intéressant, non, c'est intéressant comme question, parce que ça soulève beaucoup, ouais, beaucoup de choses. On a du mal à aborder quelque chose de précis, parce que tout est interrelié. Donc quand on parle de l'un, on parle de l'autre, tout peut interrelier. Donc c'est assez complexe. Mais le problème des cancers, il faut savoir que le cancer, c'est une maladie des chakras, déjà, pour commencer. C'est une maladie des centres. Un centre est hyperactif. Il tourne trop vite. Il projette autour de lui, il échauffe. En quelque sorte, le problème du cancer ou de la tumeur, c'est un échauffement. Des cellules anarchiques sont projetées dans un seul endroit, etc. On connaît, ensuite, la médecine connaît bien le processus. Elle ne connaît pas la cause, mais elle connaît le processus. Or, le problème au niveau des chakras, c'est que tout aujourd'hui est stimulant pour la radioactivité. Tout va très vite. On s'échauffe en tout. Le stress est un moyen de s'échauffer. Il y a des radiations qui descendent sur Terre qui sont radioactives. Le soleil est lui-même radioactif. Donc forcément, la Terre l'est devenue. On est dans un cycle plutonien, comme on dit. Et ce qui fait que c'est quelque chose de très important, la radioactivité. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement que la radioactivité... permet une transmutation rapide. Or, si un être humain ne fait pas ce qu'il faut pour purifier ses enveloppes, et ses enveloppes sont brûlées. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour purifier ses enveloppes ? Faut tourner les chakras ? Par exemple, on ne travaille pas beaucoup sur les chakras. En principe, on ne travaille pas sur les chakras. Mais on peut travailler sur les enveloppes, que ce soit par la nourriture. D'accord. Ça, c'est très important. Manger de la viande, c'est quand même quelque chose qui empêche le prana de passer. C'est quelque chose de lourd, quelque chose qui endurcit. Il faut s'éthériser en quelque sorte. Donc la viande ne peut pas être une bonne chose. Le règne végétal est là pour ça. Le végétal est vraiment ce qu'il faut comme nourriture. On s'adapte, hein. J'ai pas dit qu'il fallait le faire absolument. Mais la purification, ça peut être au niveau de ses émotions. La purification émotionnelle, c'est quelque chose d'intense. On passe le baptême, cette fameuse deuxième initiation, quand on a contrôlé son corps astral, c'est-à-dire le corps de ses émotions, de ses désirs, de ses passions, etc. Le vrai baptême, le baptême, pas la naissance. Voilà. Donc il faut arriver vraiment à cette équanimité, cette tranquillité, cette sérénité, qui fait que plus rien au niveau émotionnel ne va bouger. À partir de là, c'est déjà une autre purification. Ensuite, il y a la purification mentale. La purification mentale, elle est simple. Les stimuli mentaux ou intellectuels du monde qui nous entoure,
crée en nous des perturbations très fortes par l'anxiété, par le désir d'avoir ceci ou cela. Donc déjà, un retrait du monde des sens, c'est-à-dire pas se nourrir du monde qui nous entoure, avec le strict minimum, mais se nourrir des vertus de l'âme. À partir de là, le corps mental s'apaise. Et ensuite, pour passer du stade au supérieur, le mental supérieur, là, la méditation, on est obligé de passer par là. Absolument. Donc pas de travail sur les chakras. Non, toutes ces connexions, couleurs, tourner. D'une part, c'est déconseillé, parce que il faut dire, il y a certaines vérités à dire. Ceux qui parlent des chakras, en principe, ne les voient pas ou prétendent les voir. Hein. Mais j'entends parler de chakras bloqués, de chakras qu'il faut ouvrir, etc. Les chakras, on ne les ouvre pas, on ne fait rien du tout. Un chakra, c'est un ensemble de potentialités qu'on appelle les pétales. Ce sont des potentialités. Un travail très intense sur, un mantra, une répétition pendant des années peut éventuellement stimuler un pétale, certainement pas le chakra. On a le même chakra chaque fois qu'on revient et ce n'est pas quelque chose qu'on bouge. Alors, on bouge les chakras mineurs. On peut affecter les chakras mineurs et moyens, certainement pas les sept. Avec la Kundalini. Non, ça, on n'en touche pas, parce qu'elle monte toute seule quand... Oui, non, mais c'est les chakras mineurs, quand même. La Kundalini, elle part bien du chakra racine. Oui, alors là, on n'est que dans les chakras majeurs. C'est vraiment l'étape ultime. Et les chakras majeurs, les sept fameux chakras, hein, bien qu'il y en ait deux ou trois en plus, sont des chakras liés à l'initiation uniquement. Les autres chakras sont associés à la physiologie de l'être humain, son système nerveux, etc. Alors, quand vous dites, on va laisser tomber sur le cancer, on va parler des anges, des devas guérisseurs, est-ce qu'il y en a? Oui, fondamentalement, les devas violets sont les devas guérisseurs, par excellence. C'est leur travail, ce sont leur qualité propre, c'est-à-dire par leur présence, c'est des devas violets, par leur présence, ils guérissent. Et il est possible, éventuellement, qu'un groupe, par exemple, de médecins, et il serait possible, je n'ai pas dit que ça se fait, un groupe de médecins travaillant dans la pureté nécessaire, parce que c'est la pureté qui est la clé de la coopération avec les devas, puisse invoquer un groupe de devas violets. La flamme violette, cette fameuse flamme violette. Voilà, ça c'est... C'est très à la mode. Oui, mais ça, c'est le mauvais côté de l'ésotérisme. Mais ces devas violets existent et on peut effectivement travailler, coopérer avec. Alors, souvent, le meilleur moyen, avant les invocations, les mantras, où il faut être initié, etc., on ne l'est pas. Ben, le meilleur moyen, c'est la visualisation. Quand on imagine, quand on visualise intérieurement la couleur violette, on les appelle. Oui, c'est ça. Voilà. Donc... beaucoup de théurges ou de médecins spiritualistes, lorsqu'ils pratiquent soit le magnétisme, soit autre chose, visualisent le violet et arrivent souvent à des résultats très, très positifs. Pourquoi dans le christianisme, les anges sont-ils représentés avec des ailes, comme les oiseaux? C'est pour mieux aller au ciel, mon enfant. Ah, c'est joli comme réponse. Oui, mais c'est très joli. Mais en fait, moi aussi, j'étais très intrigué par les anges quand j'étais tout jeune. C'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Et finalement, le Tibétain, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est rare, mais il arrive que dans du monde des anges, une entité angélique cherche à s'incarner dans le monde des hommes. Il est impossible qu'elle descende directement dans le monde des hommes. Elle prend le règne des oiseaux comme règne intermédiaire, d'adaptation en quelque sorte. Et c'est pour ça que symboliquement... Les oiseaux sont des anges... Pas forcément. Pas tous. Mais on dit que l'ange qui est dans certains oiseaux, en s'incarnant d'oiseaux, l'oiseau a des ailes. Donc on a associé l'ange qui très souvent vient donner des messages, avec des ailes. Le langage des oiseaux. Voilà. Entre autres. Ouais. Ça me parle bien avec certains oiseaux. Quelles seraient les différences entre les humains et les devas et les anges? Les grandes différences majeures? C'est tout à fait... C'est un petit peu... l'homme détruit, l'ange construit. Par exemple, l'homme voit
et l'ange entend. On pourrait dire que c'est complètement complémentaire. On ne peut pas dire je vais vivre sans les anges. On peut dire je m'en occupe pas et je fais un travail. Mais l'ange est en nous, la matière des anges est en nous et on ne peut pas faire quelque chose sans que la matière angélique bouge, se modifie. Donc tout le travail se fait avec eux sans en être forcément conscient. Alors c'est mieux quand il y a collaboration. Coopération avec les gens, ça veut dire quand on médite, il y a des techniques bien spécifiques. Ça, c'est un travail avec les devas. Mais on ne nous dit pas forcément, voilà, on ne les inclut pas forcément, mais ils sont là. Alors, vous écrivez à la page 123 que si l'on parle aujourd'hui des anges et des devas, c'est qu'il existe une reconnaissance inconsciente de leur présence. La cause est une plus vive intuition de l'humanité et l'apparition du septième rayon, celui du cérémonial qui apporte une nouvelle opportunité de contact entre les deux évolutions, l'humaine et la dévique. Donc c'est ce septième rayon qui apporte une amplification. Ce fameux septième rayon violet, pour ne pas le citer. Donc c'est vrai que la relation, c'est très complexe, donc on ne va pas entrer dans la science des rayons, mais lorsque on finit sixième rayon, on entre dans le septième rayon, et donc quand ce genre de phénomène arrive, il y a une possibilité de relation étroite entre le monde des vies et le monde des humains. Et ce rapprochement se fait de plus en plus, il y a une reconnaissance. Je ne saurais pas dire où ni comment, mais a priori, il y a une reconnaissance de l'existence des devas. Alors, peut-être que ça va être par des inventions sur la lumière, sur les ultrasons. Ça peut se manifester d'une manière tout à fait différente que la mystique ordinaire. Hein. Mais ce rapprochement se fait, indiscutablement. Alors, il y a les anges, mais il y a aussi les démons. Vous dites que les rites vaudous sont en rapport avec les sorciers de l'Atlante, quelque part. Alors, bon, c'est vrai que dans la tradition, on dit que la magie atlante était extrêmement, vers la fin, extrêmement pervers, hein, comme toutes les fins de cycle, et que les grandes invocations des grands anges avaient fait part à des invocations démoniaques. Je ne dis pas de démons, mais démoniaques, à savoir les élémentaires et les élémentaux. Voilà, c'est tout simple, hein. Et donc, dans les vaudous, c'est un peu la même chose. Dans le vaudou, il y a absolument, quand on appelle le capitaine d'un tel, ou qu'on appelle Pierre, ou ceci. En fait, non. À partir du moment où il y a un rituel sanglant, à partir du moment où on tue un animal, on sacrifie un animal pour en libérer le sang, on a affaire forcément à un rite de sorcellerie qui invoque une force élémentaire ou élémentale, mais pas du tout angélique. Alors, vous avez un chapitre sur le sang dans les rites animistes. Oui, oui. Et on retrouve dans tous les rites animistes. D'ailleurs, c'est amusant parce que aujourd'hui, on va regarder sur Canal Plus ou des émissions sur la 5. On explore beaucoup les tribus amazoniennes, brésiliennes, africaines, etc. Et tous les rites sont les mêmes. Exactement les mêmes. On voit le sorcier posséder de la même façon, réagir de la même façon, procéder à des rituels identiques. Et là, on est dans quelque chose de très simple, c'est-à-dire l'invocation d'un élémental, c'est tout, sans plus. C'est d'ailleurs une science connue en Inde, où un père qui n'a pas beaucoup de sous, mais qui est un peu sorcier, transmet à son fils le mantra qui appelle un élémental à faire des petits miracles pour lui et gagner quelques monnaies pour gagner son souper chaque jour. Et en fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le spiritisme, avec tout ce qu'on a pu voir de phénoménal. Et les fantômes, alors, sont des élémentaux aussi? Les fantômes, il est rarissime qu'une personne, qu'une entité défunte puisse se matérialiser. C'est rarissime. Par contre,
du monde astral où elle se trouve lorsqu'elle est encore très proche, très fraîche, je dirais, après la mort, effectivement, son désir de ceci ou cela, notamment son désir de se manifester, par exemple, elle ne peut pas le faire, mais elle peut envoyer pousser un élémentaire. Voilà, des élémentaux à manifester ce genre de phénomène. Donc, ce n'est pas le fantôme que l'on voit, c'est simplement la reproduction de ce que la personne défunte pense ou désire. Après, il y a d'autres phénomènes, comme celui des coquilles vides, reprises par des élémentales, avec des médiums. Voilà, c'est tout un domaine. On n'est pas dans le spiritisme, là. Voilà. Donc, les châteaux en Écosse, ce n'est pas forcément des vieux fantômes qui les habitent. Non, non. Est-ce que vous pouvez nous parler du langage des anges ? Oui, le langage des anges, c'est assez particulier, mais le langage des anges, c'est un langage de son, entre son et lumière. C'est vraiment... Alors, il y a son, lumière et les mathématiques. Les chiffres. Les chiffres sont vraiment des pouvoirs. L'ange s'exprime par un chiffre. Et ensuite, de là, il passe à la couleur, et de la couleur, il passe au son. Donc, la plupart des évocations, il y a toujours la couleur, il y a toujours ces éléments plus ou moins associés, mais généralement, c'est ça. Et les grandes invocations théurgiques, où on fait descendre un déva pour lui parler, etc., utilisent toujours principalement le son. Les kabbalistes étaient vraiment des grands experts, avait, à partir de l'hébreu, arrivé véritablement, un peu comme le sanskrit, hein, qui est à la base, arrivé vraiment à communiquer avec les devas, simplement le son. En visualisant, quand on émet un son, il a sa couleur. Les mantras, par exemple. Voilà, toujours. Donc, si on connaît que le son, il manque quelque chose. Il faut la couleur du son. Voilà, mais si on a le son et la couleur, alors soit parce qu'on est clairvoyant et clairaudient, donc ça il n'y a pas de problème. Si on n'est pas ça, il faut être initié à une école. Une vraie, hein. Ils sont très rares. Ils sont très, très rares. Qu'est-ce qu'il y aurait comme école en ce moment ? Ce ne sont... Les écoles védiques, les grandes écoles hindoues, il y a encore quelques mouvements. Ce ne sont pas vraiment des écoles. Ce sont plutôt des mouvements où l'instructeur, le gourou, donne... Il y a toute une filiation depuis des siècles, elle est secrète, et on la donne à quelques disciples triés sur le fil, parce que c'est donner une carabine à des enfants, hein. Mmh. C'est quelque chose d'excessivement dangereux. On peut faire autant de bien que de mal quand on a ce genre de pouvoir. Donc vous imaginez, minimum 12 années d'éthique absolue, d'observation. Je veux dire, la personne à qui on va donner ça, elle est incapable de faire le mal. Donc les écoles de yoga, comme le Raja Yoga, des choses comme ça, le Kriya Yoga, comme voilà, vous disiez tout à l'heure. Voilà, mais vraiment à une échelle, et ce sont dans ces écoles-là, probablement que les disciples les plus avancés, sur des milliers qui pratiquent, il y en a une dizaine qui sont triés, et certains maîtres les mettent de côté, les instruisent, etc., indépendamment même de l'école, de faire indépendamment de l'école. Donc le son et la lumière, on peut vous instruire en disant, quand tu chantes tel mantra, tu visualises telle couleur, etc., il y a des résultats. Et ensuite, il y a des mandalas à base de chiffres qui permettent cette invocation. Comment se protéger des formes négatives et des forces négatives et des élémentaux qui semblent... Est-ce qu'il y a une protection qu'on peut avoir ou... Oui, les méditants ont toujours eu des protections contre ça. Un méditant, on médite pas sur la terre, parce que toute l'énergie accumulée pendant la méditation est aspirée par la terre. C'est quelque chose de connu. Donc très souvent, vous verrez les méditants, par exemple au Japon, les méditants dans le Shugendo, qui est une voie ascétique qui se fait en montagne. Les magiciens, on va dire, ce sont pratiquement des yogis magiciens, ont toujours une peau d'animal derrière pour s'asseoir pendant les méditations, pour être toujours protégé. Ou le zafu. Ça c'est le zen, ça c'est uniquement pour la posture, mais c'est pas pour la protection. Mais
toutes ces protections, c'est quand même lié à la magie, à l'occultisme. Tous ceux qui, justement, vont contacter ces forces, là où ils ont besoin de protection. On appelle des forces, donc ces forces sont là, il faut s'en protéger. On a besoin de les contrôler, on a besoin d'extirper une information, mais il faut s'en protéger. Parce que appeler à certains devas ou appeler certains élémentales, si vous ne les contrôlez pas, vous vous faites brûler, hein, littéralement. Donc, il y a des protections. Par exemple, il y a des sièges avec une herbe qu'on appelle les kusa, qui est une herbe spéciale, qu'on met sous sa couche de méditation. Les Indiens connaissaient bien ça dans le passé. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a énormément de protections, comme ça, effectivement. Ouais. Beaucoup de protections. Donc, tous ces méditants qui font méditent ou sur des affos ou en lotus, sur une couverture, risque quelque part quelque chose dans la méditation ou... Non, d'être perturbé. Par exemple, quand on s'occupe pas... Moi, je ne me suis jamais occupé de me faire protéger, que ce soit. C'est jamais tout mon problème. Je médite là où je suis et ça s'est toujours bien passé. Mais on peut être, il peut y avoir des perturbations. Les élémentaux, quand il veille un méditant, la première chose, c'est de le sortir de sa méditation. Oui, ils ont envie de l'énerver. Voilà. Et donc, des gens, tout d'un coup, on médite, on a envie de se gratter. Il ne faut pas bouger. Il y a beaucoup de pères de l'Église, Saint Antoine, pour citer lui, qui était un grand ascète, qui est parti dans la nature, qui n'a pas voulu rester dans des monastères. Il explique bien... à quel point il était embêté par les élémentales. Donc, le problème... Mais même Jésus qui s'est fait embêter par les démons. En quelque sorte, oui. Voilà. Mais en quelque sorte, le problème, c'est qu'il voyait ces démons, et c'est encore... Thérèse de Lisieux les voyait aussi. Donc, c'est vrai, quand on est voyant, c'est très gênant. On a le tableau du monde qui déjà nous accapare vers la multiplicité, alors qu'on cherche l'unité intérieure. On a encore un deuxième monde astral qui vient nous perturber. Donc c'est pas non plus un grand intérêt d'avoir une forme de voyance. Mais il faut faire avec. Oui, vous avez des exemples dans votre livre de cette jeune fille qui était mordue par des démons et qu'on a internée dans un hôpital psychiatrique. Et on voyait bien que les morsures se faisaient toutes seules. Enfin, elle avait un démon qui la mordait. Alors, là, quand on parle de force démoniaque, pas vraiment de démon, ce qu'on appelle la démonologie, la vraie démonologie existe. Il y a le monde angélique, mais le monde des démons, c'est simplement des forces très primitives qui se trouvent au centre de la Terre. Elles ne sont pas mauvaises au sens humain du terme, elles sont destructives, simplement. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, entrer en contact avec elles. Elles n'ont pas d'intention de, ouais. Voilà, c'est pas dans ce sens-là. Par contre, chez les êtres humains, il y a une catégorie d'hommes ou de femmes qui qu'importe, qui ont perpétué le mal pendant des centaines d'incarnations à un point tel qu'ils se sont coupés de leur esprit. Donc, c'est une véritable. Ils sont emprisonnés dans leur coque mentale inférieure. Et ils ne peuvent plus en sortir. On appelle ça les prisonniers de la Vichy, c'est-à-dire de l'enfer. Et ces entités restent sur le plan astral. Et la seule chose qu'elles peuvent faire dans la vie, c'est d'influencer les gens à faire le mal. C'est de les pousser à faire le mal. Elles sont motivées que par le mal. C'est uniquement ça. C'est ce qu'on appelle des élémentaires. Donc... leurs moyens d'action sont divers et variés, mais le plus grand moyen d'action pour elles, c'est d'influencer un être humain. Par exemple, un pauvre ivrogne qui c'est pas de sa faute, il a eu des misères, il a commencé à boire, il peut plus s'en passer. Eh bien, ils vont lui payer un coup. Son truc, c'est de le pousser à boire davantage, ouais, jusqu'au délirium tremens. Et quand il sort de son corps par une espèce de crise de délirium, l'entité prend son corps, essaye de vivre à travers lui des choses qu'elle ne pourra plus vivre sur le plan. Donc ce sont des désincarnés quand même, là, nous parlons. Ce sont des désincarnés, mais qui peuvent éventuellement, par exemple, quand il y a une libération de sang lors d'un sacrifice, le sang leur donne... Donc ces entités peuvent, par exemple, dans certains cimetières, peuvent utiliser des gens qui sont très faibles déjà, en quelque sorte, ce sont du vampirisme. Ils peuvent aspirer l'énergie d'une personne mentalement faible, qui ne retient pas son énergie ou qui ne peut pas.
et puis momentanément se régénérer et se manifester d'une certaine manière. Les incubes, les succubes sont basés là-dessus. Donc les possessions et les malédictions, ça fait aussi partie du monde angélique, hein. Enfin, ça fait partie, parce que ça peut aussi être des bénédictions. Donc le fait d'être possédé, vous venez de le dire, et le fait des malédictions, cette fameuse phrase qui dit que quand un bébé naît, elle a des fées autour de son berceau qui lui donnent ou des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ça c'est karma, c'est le symbole du karma. Dès la naissance, karma va diriger vers sa destinée, vers ce qu'il mérite d'avoir ou ce qu'il doit payer. Hein. C'est ça. Donc il n'y a pas... Du fait qu'on est bon ou mauvais, et puis il y a un petit peu des deux, on a devant nous un ensemble de forces mauvaises qui vont nous pousser à faire ceci ou cela, et de forces bonnes qui vont, d'un autre côté, nous pousser à faire le bien. Donc voilà, notre travail entre ces deux forces va être... Donc la bonne fée qui se penche sur le berceau, ça n'existe pas. Est-ce que les fées existent? J'ai pas connaissance. Est-ce que les fées existent? Elles existent dans votre livre, vous nous dites. Les fées existent, mais elles ont été humanisées. Elles sont pas du tout comme ça. Par contre, on les a humanisées parce qu'elles ont une apparence. D'ailleurs, elles sont pas féminines forcément les fées. Hein. Elles sont masculines aussi. Et la fée peut rien avoir, a rien de commun forcément avec une jolie femme. Il y a des fées qui. Carabosse, qui, on le sait. Il y a vraiment qu'on ait des prérogatives ou des choses à faire différentes, un travail tout à fait différent de ce que l'on voit chez la fée ordinairement. En général, elles travaillent sur la nature, les fées. Il y a les fées qui colorent les plantes, il y a des fées. C'est vrai qu'il y a la diversité au niveau des élémentales, parce que ça en fait partie, est telle qu'on peut à peine en parler. C'est des milliards de petites... Alors, il y en a des grandes hein, qui sont sur les mers, par exemple, sur les vagues, qui travaillent un petit peu dans le monde aquatique. Et les fées qui sont terrestres, qui travaillent avec les plantes, notamment, c'est des hiérarchies, des pléiades. Il faut être un maître pour arriver à les discerner, les dissocier. Enfin, c'est un monde, c'est pour ça qu'en principe on nous dit que c'est un monde de force et d'énergie, et cherchez pas trop à savoir ce qui se passe, parce que on rentre dans la multiplicité, dans la complexité, on sait très bien qu'on ne peut pas ni voir ni accepter d'emblée des choses qu'on nous révèle là-dessus. Moi j'ai pris l'enseignement du tibétain qui est l'un des seuls avec des théosophies, et l'un des seuls précis sur ces choses. Mais vous allez dans n'importe quelle, pratiquement dans n'importe quelle religion, c'est vaste. C'est quelque chose de très... C'est vaste et c'est vague tout à la fois. Donc, faut pas trop s'aventurer dans ce domaine. Donc, sur la médiumnité, il faut faire attention. Les médiums peuvent laisser entrer beaucoup de choses. Le médium est une personne malade. Alors, je sais que ça va faire agir tous ceux qui se... qui se vantent de médiumnité, malheureusement c'est le cas, c'est-à-dire un médium est une personne relativement passive qui normalement possède un centre solaire ouvert, complètement ouvert, c'est-à-dire pratiquement déchiré, le centre du plexus solaire est ouvert, ce qui fait que d'ailleurs c'est des gens qui réagissent beaucoup par le ventre, et le ventre c'est la partie où se trouve l'énergie. Très souvent le médium, quand on le voit qui matérialise, par exemple, par un ectoplasme hors de lui-même, on a pu photographier le cordon qui allait de l'ectoplasme à son ventre, ou à la gorge éventuellement. Mais le problème, c'est que le médium peut sortir de lui-même très facilement, hein, il a cette possibilité, mais il n'a pas de contrôle. Un vrai médium ne contrôle pas la situation. Entre dans un état de transe et peut être aussi vite possédé que lui-même s'extériorise. Quand sa maison est vide, quand son corps est vide, très vite une entité peut prendre la place. Alors le problème du médium, c'est qu'il entre en contact avec... Les autres plans. Avec le plan normalement des défunts, du plan astral, et qu'il... Il attire des âmes en attente
il les restimule et crée chez elles le désir de redescendre sur Terre. Au lieu de monter vers des sphères de mentales plus hautes, comme on doit faire, on les réattire sur Terre et on crée un nouveau karma, aussi bien chez le médium que chez l'entité qui descend. Parce qu'une entité sur le plan astral, la plupart des entités, on a l'impression qu'on se balade sur le plan astral quand on est mort. Il y a des moments où il y a un éveil, mais il y a une forme d'inconscience. On est dans un univers relativement inconscient. On fera une émission rien que sur ça, voilà. Mais sur ce qui se passe après la mort. Mais le médium aussi, quelquefois, peut entendre des voix, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui cherche. Quelquefois, ce monde-là peut nous interpeller pour, par exemple, éviter un choc. Alors, c'est la même chose que les anges, relever la tête au dernier moment pour éviter un camion, entendre un mot qui nous dit « fais pas ça », voilà. Je veux dire, c'est aussi être médium, c'est de recevoir ces messages. Alors, on peut être psychomètre, par exemple, sensitif, sans être médium pour autant. On peut avoir une certaine sensibilité psychique sans être un médium. Normalement, quand on va dans certaines écoles un petit peu avancées, la première chose qu'on fait attention, c'est de fermer la médiumnité. Si vous êtes médium, c'est de faire en sorte que vous ne le soyez plus. Et ça, c'est tout un travail. Ensuite seulement, on peut commencer à progresser. Le médium travaille pratiquement uniquement sur le plan astral. Or, c'est un plan qu'il faut absolument faut passer outre. Il ne faut absolument pas rentrer dedans. On dirait que le plan astral, c'est un monde des rêves. C'est un monde, De désirs, c'est le monde de tous les désirs, les passions, les fantasmes, illusions, voilà, surtout les peurs. Donc vraiment, c'est un monde sur lequel il ne faut pas s'aventurer. Finalement, la médiumité vit là-dedans. Et vous voyez, les gens autour d'un médium, on n'est que dans ce petit univers, on se fait son petit frisson, c'est sympa, mais on n'est pas dans la haute initiation là. Là, on n'est pas du tout dans la grande spiritualité. Donc il y a un chapitre sur l'exorcisme aussi, hein, dans votre livre, sur les dangers de l'exorcisme. Tous les dangers, la nécessité. La plupart des grands magiciens d'antan, que ce soit les néoplatoniciens, les gnostiques, étaient tous un peu exorciseurs. Hein. C'est vrai que quelquefois, il y a des maladies purement physiques. Il y a aussi des maladies qui sont des cas de possession. Alors le problème, c'est de savoir si la personne est possédée ou non. Alors comment le savoir? Généralement, il faut être voyant, ou alors il y a des tests qui permettent de savoir, on fait réagir une personne qui est possédée en lui mettant certains produits à respirer, ou certains encens, etc. Et c'est ce que faisaient les prêtres en mettant la croix, Voilà, il y avait des réactions. Mais bon, il y a certaines maladies qui sont assez similaires, et j'avoue que c'est un domaine que je n'ai pas expérimenté. On dit les maladies mentales. Voilà, il y a des formes d'épilepsie. Certaines de ces maladies, effectivement, c'est des cas de possession, parce qu'elles se guérissent une fois exorcisées, elles se guérissent tout de suite. Mais il y en a d'autres, c'est des vraies maladies. C'est des vraies maladies du cerveau. Hein. Donc. Voilà, c'est un domaine où là, il faut être encore très prudent. Donc, vous saurez tout sur le monde merveilleux des anges ou des dévins, mais est-ce que les élémentaux meurent? Les élémentaux meurent comme tout le monde. Enfin, c'est pas une mort... Est-ce qu'on peut les tuer? Non, ça serait plutôt l'inverse. D'accord. Non, disons, ce qui est important à dire, c'est que l'élémental est une force associée à un seul élément. L'élémental, soit du feu, son corps c'est le feu, son corps c'est la terre, ou son corps c'est l'eau, mais il n'a pas plusieurs éléments en lui-même. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que toutes les forces élémentales sont destructives. Ce sont des forces qui sont, on dirait, c'est le reste, presque la poubelle de l'ancien système solaire. C'est le déchet. C'est ceux qui n'ont pas évolué. Voilà, c'est le déchet de l'ancien système solaire. Ils reviennent comme élémental. Donc, leur travail spécifique, c'est de détruire. L'élémental de la Terre écrase, celui de l'air dissout, dessèche, etc. Le feu brûle. Bref, leur mission, leur travail, c'est de détruire. Oui, on en a besoin, puisqu'on dit les élémentaux de la nature. Ils sont indispensables. Ils sont indispensables pour le printemps, l'automne. Voilà. Simplement, qu'il y a des dévins juste au-dessus
qui se servent des élémentales comme ouvriers. Donc on fait travailler l'élémental à construire, les fait construire des fleurs, etc. On les fait construire. Et quand on n'a plus besoin, c'est l'hiver arrive par exemple, le déva ou l'ange arrête de les programmer et l'élémental fait son travail, il détruit tout simplement. Il s'amuse. Voilà. Donc on a ça dans le corps aussi, hein, quand on a certaines leucémies, certains, on a une plus grande abondance de petits élémentales destructeurs que de déva constructeurs. Voilà, c'est tout un travail finalement entre les deux. Les dévas évoluent en progressant, comme nous, comme l'humanité, alors que les élémentaux, eux, c'est en détruisant qu'ils progressent. D'où ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est écrit dans votre livre, qu'il faut mieux vénérer Dieu, si on peut l'appeler comme ça, que les dévas. Oui, on respecte leurs dévas. Oui. On collabore avec les dévas. On peut aimer les dévas, bien sûr, puisqu'ils sont tout amour. Mmh. Le déva est quelqu'un qui est très motivé par l'amour. Très motivé, c'est sa nature, l'amour. Donc, oui, mais on ne rend pas un culte à un déva, par exemple. On ne cherche pas non plus. Ils sont partout. Dans la mesure où vous faites une prière, c'est un déva qui va apporter votre prière, qui va la prendre, qui va l'utiliser. Mmh. Tout est dévique. Il n'y a pas une seule chose où la substance du déva est absente. C'est pour ça que voilà, on respire, on vit, on sent, on est dévique. Il faut le savoir. Tout est. C'est pour ça qu'il est difficile d'en parler comme de quelque chose qui est hors de nous-mêmes, puisque non, il est hors et dedans. Donc, mais c'est quand même pas le but. Le déva est comme nous, progresse. Il y a des dévas qui sont moins évolués qu'un être humain. Du point de vue de son éveil. Donc on ne va pas suivre un déva qui est moins évolué que nous. On va toujours vers l'absolu, parce que dans l'absolu, il y a les dévas les plus hauts. Il y a tout. Voilà, il y a tout. Donc on va directement à l'essentiel. Il est question de déluge dans votre livre, ça revient de manière périodique, on peut dire, quand tout va pas bien sur une planète, qu'elle soit sacrée ou pas. Donc je pense que sur les planètes sacrées, ça ne doit pas se faire. On remet le compteur à zéro. Donc, ça fait réfléchir aussi. Oui, oui, il faut. Puisqu'on dit que sur la Lune, à la base, notre humanité était sur la Lune, à la base. Et on a fait trop de bêtises. La mère de la Terre. Il y a eu une erreur de cette humanité, de cette lointaine époque. Et c'est parce qu'on a retiré le monde des dévas, le monde des animateurs, et cette humanité qui a été projeté sur la Terre, que la Lune est morte. Donc c'est un échec systémique dû à une erreur de l'humanité. On ne nous en dit pas plus, j'en sais pas plus, mais voilà, c'est ce que disent les enseignements. Donc il faut aller rechercher dans l'Église, par exemple catholique, tout ce qui est de nature gnostique, où là on retrouve des éléments d'ésotérisme. C'est dans le soufisme pour l'islam, la kabbale pour les juifs. C'est vrai qu'il y a deux enseignements dans chaque religion, un enseignement interne, un enseignement externe, toujours. Dans l'islam, il y a des choses absolument merveilleuses. Merveilleuses. Le service reste l'une des plus belles lois divines qu'il soit possible à l'homme de manifester ici-bas. Oui, oui, le service. Le service dans son sens le plus absolu, à savoir que quand je sais qu'un être humain n'est pas différent de moi, l'âme est la même pour tous, je ne fais pas, j'ai pas d'affinité à servir l'un plus que l'autre. Finalement, quand on arrive à un certain degré, ce qu'on ressent, c'est la souffrance du monde. Et la plus belle chose qu'on ait envie de faire dans ce monde, c'est pas s'approprier des distractions, de se faire plaisir. La chose qu'on aime, c'est aider tous ceux qui souffrent, les éveiller, les instruire, les soutenir, les aimer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau? Rien, finalement. À part être en contemplation dans l'esprit. Mais en dehors de cette contemplation où il n'y a plus rien, quand on redevient être humain, quand on reprend son corps et son ego, bah, je veux dire, la plus belle des actions, c'est bien celle-ci, c'est d'aider les autres. Merci beaucoup Michel Coquin. Le monde merveilleux des anges, Zou, Deva, mythe, superstition et réalité de Michel Coquin est publié aux éditions du Chariot d'Or. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission
sur ma chaîne YouTube au nom de Vérin Joël. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson.